Et bonjour à tous, c'est Denis pour une nouvelle vidéo, donc unboxing du kit OTA SpaceN 2119 Pro. Alors je ne l'ai pas ouvert, il a déjà été ouvert. Bon, il a une balafre ici, vous voyez. Il n'y a pas les scotch. Ici dans le carton, il y a un trou. Là, ici, non. Je ne sais pas si vous voulez bien faire voir le focus. Vous voyez. Donc voilà, donc on va l'ouvrir, hein, écoutez. C'est parti. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est comme ça. Alors, ils auraient pu quand même bien tout caler, quoi. Hein, parce que, bon, ça bouge un peu là-dedans. Hein. Bon, au niveau du trou, ça va pas transpercer. Non, ça n'a rien abîmé apparemment. Donc on enlève les cartons. Donc vous voyez, hop, les cartons. Alors nous avons une notice. Ah, français aussi dedans. Bon, ben bien. Ok. Bon, nous avons un petit papier publicitaire pour un chinois qui est des scans. Alors après, nous avons donc... Hop, hop, le levier de poussée. Ok, donc bah, écoutez, hein, c'est un emballage classique. Hein, bon. Alors attendez, je pose, on va enlever le plastique. Je vais sortir l'autre, donc voilà. Comme ça, je vais me poser dessus, vous verrez un peu mieux. Hop, voilà. Donc là, je défaire. Ok. Donc ça va, c'est pas trop mal emballé. Ils auraient mis un peu plus de carton. Alors par contre, il est plus léger que l'autre. Ouais, il est plus léger que le deuxième et c'est pas les mêmes prises. Le normal, attendez, je vais le chercher. Donc vous voyez, la prise c'est pas la même. Voilà, donc là vous avez le kit PXN2. Donc c'est à peu près les mêmes molettes, même bouton, 3 boutons, 13, donc c'est la même chose. Par contre, il est un peu plus léger celui-là. Après, vous avez toujours pareil, hein, les manettes latérales, les boutons latéraux pour régler la force. Par contre, celui-ci a les dessins. Le Pro n'en a pas. Après, la taille, c'est la même. Il y a toujours les tampons, pareil, il aurait mieux valu qu'ils mettent des ventouses. Donc voilà en ce qui concerne les poussées de gaz. Donc ça, il est rangé. Donc le problème, c'est que même si par exemple un jour je casse celui-là, je pourrais pas mettre celui-là, quoi, parce que c'est pas les mêmes prises. Je me suis dit, ça me fera de la pièce, et puis le coup dans le fion. Il faudra peut-être que je le démonte comme j'ai fait avec l'autre. Alors donc, la poussée de gaz, c'est bon. Donc là, pareil, hein, USB comme l'autre. Bon, par contre, les plastiques, enlevés, pas facile. Hein. Voilà, bon. Vous voyez, là, ici, il y a les ventouses. Là, il n'y en a pas. Alors, quand je vais pousser, ça va se barrer. Donc, voici le kit. Donc, c'est le même que l'autre, exactement. C'est exactement le même. Ils ont seulement changé le nom. Vous avez en dessous le truc pour la vibration, là. Voilà. Donc,
clic de la force, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons déjà. Sur le côté, vous en avez 5 au milieu, et les deux gaz. Les deux gâchettes. Ah, après, il est plus dur que l'autre, par contre. Bon, peut-être parce qu'il est neuf aussi. Hein. Donc, voilà en ce qui concerne l'unboxing donc, du kit PXN. Donc, c'est le 2119 Pro. Voilà. Bon, écoutez, pour le prix, hein. J'ai payé l'autre 58€ il y a 5 ans ou 6 ans. Maintenant, 118€, avec l'inflation, d'accord. En disant que c'est pro, je vois pas trop la différence entre pro et le normal. À part la prise qui change, hein, celle-ci, là. Après, en ce qui concerne notre petit concours. En ce qui concerne notre petit concours, il faut me laisser en commentaire pour gagner la barrette mémoire. Déjà, pimpon. Et vous le notez bien sur un papier, ça fera une phrase entière, et celui qui a la phrase entière et qui répondra le premier, j'enverrai la barrette mémoire, donc de 16 Go G-Skill. Voilà, allez, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu, que votre nouvelle année se passe bien, et je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée.